Ah, bonjour, bonsoir à tous. J'ai pas mis la bonne scène, mais c'est pas grave. Comment allez-vous? Vous qui n'en avez rien à foutre de Binding of Isaac. Ah, Bebar, on en parlera. Passe-la nous. Ah, cette musique. Ah. Les Mario, putain, enfin. Ah, comme vous savez, j'aime bien me faire des défis à la con. C'est important pour moi. Et on avait fait tous les Zelda à peu près, il en manque quelques-uns. Dispensables ou impossibilité technique. On a donc décidé de s'attaquer à cette petite série qui est les plateformeurs Mario. Parce qu'il y en a énormément que j'ai pas fait. Je pense que je connais la première ligne. Mais encore, Mario World, je l'ai jamais fini. Et donc voilà, on va attaquer. Alors, on va faire pour tout ce qui est de Mario Bros 1 à World. On va utiliser Lost Level All Stars. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les sauvegardes pour Lost Level. Parce que Lost Level, ça va être un sacré morceau. Et le premier qui parle mal de l'overlay, je lui casse la gueule. Cordialement. Salut Tivar. Bonsoir, bonsoir à tous. Allez, on va couper la petite musique de Wild Arms. Dommage qu'il ait autant vieilli ce jeu. On va lancer ce petit truc là. Et de toute façon, dites-vous que on en a rien à foutre de l'overlay au fond, puisque vous regardez le jeu ou ma gueule. Ah, donc voilà. Ouais, ouais, je sais, Suriki, c'est voulu. C'est exactement pour ça que je prends cette version. Et puis parce que c'est un peu plus beau aussi. Est-ce qu'on note quand même la dégueulasserie des jaquettes qui nous ont foutu. Coucou Geek. Non, je joue pas sur mon AVS parce que j'utilise la version Super NES du jeu car il y a des saves. Donc voilà. Oui, mais là, ce qui est fou, Steve Silva, parce que tu te plains depuis le début de la journée, je te vois un peu partout, c'est que c'est moi qui joue. Et ça change tout. Ça joue comme sapin. Ouais. Alors, c'est parti. Alors, rappelez-vous que... vous êtes des pros des jeux de plateforme. Pas moi. C'est peut-être un peu bas, le son. Le son est baissé peut-être dans le mixeur. Voilà. Et non, il n'y a plus marqué Tart Face, ce sera pour la journée. Ah, voilà, le son est un peu mieux. Je suis pro dans quel jeu? Aucun, aucun. Je joue très mal partout. C'est pour ça que j'ai décidé de streamer. Ah, faut aussi faire la physique. Hein. Fais des ailes. Ah bah, j'ai raté la vie. Ah bah, j'ai raté le passage secret. Oh là là. Oh là là. Ta-da-ta-ta-da-da. Une fleur en haut de mémoire, c'est ça. Ah,
Ah, faut se refaire à la physique, hein. Ah, ça démarre bien. De toute façon, je vais faire exprès de jouer le plus mal possible. Salut, Hamzal. Et de un niveau. Alors oui, pour info, on fera les Mario en Warpless. Voilà, parce que bon, après Mario 3, on peut le terminer en 30 minutes. On fera dans le... Bon, on fera tous, hein, on essaiera. On essaiera de faire du Warpless. Et je joue en prenant mon temps, hein. C'est pas du speedrun, vous voyez. Bon là c'est con, il me semblait qu'il y avait un truc. Parce que là on pouvait monter au-dessus, mais comme je suis petit, c'est baisé. Il y a la souris ? Comment ça se fait qu'il y a la souris? Ah, c'est les premières. C'est bon, la souris est enlevée. Bon là, hop, du coup, on va pas en haut. On va éviter la warp. C'est ça, Hector. C'est less, l'adjectif qui veut dire sans. Donc on fait sans les warps. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais joué à ce jeu ? C'est marrant de mal parler de l'overlay parce que c'est le streamer qui a fait les overlays. On parle mal, c'est le streamer, on va l'emmerder. C'est pas moi qui ai fait les overlays. Putain, ça glisse. Je me rappelais pas que ça glissait autant. Hein. Alors sachez que j'ai le 200%. De Mario 1 sur Retro Achievement. Mais c'est un jeu qui demande beaucoup de réflexes musculaires. Donc je l'avais en main quand je l'ai fait. Mais c'est vrai que je l'ai plus. Après, si c'est pour dire du mal toute la soirée, vous pouvez aller vous coucher aussi. Voilà. Hein, je me suis mangé ça toute la journée. On va se calmer. Coucou Esmeralda, bonne année à toi aussi. Et c'est là où on voit que c'était des faux... que c'était des faux Bowser en costume, puisque quand on leur tirait des boules de feu, ils se transformaient en ennemis. Donc voilà, tout le monde se rappelle du monde 1, du monde 4 et du monde 8. Alors là, je me rappelle plus.
Oh là là. Coucou Anak. Eh bien joué. Putain, je perds mes repères visuels. Y'a pas là? Si. Le jeu il est super bon, je me souviens plus. Ouais, c'était là. Bah, c'est bon, t'as... les gens t'ont répondu. Là, on est sur Super NES en fait. Mais oui, Woody. Oh, j'ai des souvenirs obscurs. Parce que, comme tout le monde, j'ai une NES. Et je vois qu'il y a des gens qui ont jamais joué. Je suis très étonné. Hein. Tous les Mario platformers, parce que tous les Mario, t'en finis jamais. Ça prend les stages bonus quand même. Bah, faut pas pousser. Mais. Alors, en fait, pourquoi je dis cette version Librio, c'est surtout pour Lost Level qui est après, qui est dur. Et on peut sauvegarder. Parce que le jeu est vraiment dur. Da-da. Voilà, voilà. Oui, oui, je vais les tuer. Bon, ok, pas lui. Oula, voilà. Ah bah bien joué. Ouais, je passe pas par l'étape grand, c'est vrai. Alors là, normalement, il suffit de marcher et les méduses, elles vous suivent pas. La suite du spoil. Calamar, pas méduse, oh c'est pareil. Les deux font de l'encre. T'as failli mourir, on l'a vu. Oui, mais je ne suis pas mort. Alors après le jeu de merde qui est Okami, on aura un autre jeu de merde qui est Ori and the Blind Forest. Ah, on me l'a bien fait comprendre cet après-midi. Ah bah voilà, ça c'est un niveau qui se passe bien. Les méduses ne produisent pas d'encre. C'est parce que vous vous arrêtez à des vérités ou des conceptions qu'on a aujourd'hui dans Hotline Miami. Alors, il y a eu le générique, il y a eu méprise, j'ai cru que le jeu était fini, mais non. Mais du coup... mais du coup, ouais, je suis tout à la fin, en fait. Il me reste un ou deux niveaux, on m'a dit. Ça va, ça revient. Ça commence à revenir, ça commence à revenir. Boudoudoup. Alors que mon téléphone se fait spammer. Ah. Avec les panthères, il m'a fallu quoi? Hein? Oula. Hein? Tiens, vraie question sérieuse. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de faire des VOD sur les Mario?
Mais c'est très bien. C'est très bien, Ori, non? Enfin, pour moi, c'est un bon jeu. C'est vrai, c'est un bon argument. Ah non! Ah! Ah! La panique. Ah, attendez. Petit souci technique de dashboard qui ne se mettent pas à jour. Voilà, c'est bon, pardon. Bah, une fois que t'as capté en fait comment comment t'as oui ah c'est fou à quel point on se rappelle plus de des mondes après le 1. Le faire comme ça du premier try, c'est compliqué. Le infinite. C'est ici qu'on peut avoir le, qu'on peut faire le petit glitch. Pour avoir les vies infinies. Ouais, mais comme disait, et c'est vrai, c'est un bon argument. Les VOD de Mario, il y en a déjà 75 millions. Les petits cris, c'est pour rendre hommage au sound design. Là, c'est une étoile. Au sound design de Silent Hill, bien sûr. Bien sûr. Alors, sachez que faire ce jeu. On n'a pas encore avec toi, il y a déjà tout sur YouTube. Ouais, c'est vrai aussi. Faire ce jeu avec le succès sans prendre... Alors, il fallait que je prenne qu'une seule pièce, parce que t'as forcément un moment où t'es obligé de prendre une pièce dans un château. J'en ai chié. Mais chié comme pas permis. Je pourrais vous parler hein, de mon expérience. Mes VOD sur Twitch restent 2 mois. Alors, sachant qu'on peut passer au-dessus, je crois que c'est dans ce monde. Par-dessus le drapeau. Et en fait, après, c'est infini. Et comme on peut pas revenir en arrière, on se trouve bloqué. Allez, clip Twitch, n'hésitez pas à en faire et à les tweeter après, je les retweeterai à chaque fois. Hein?
Tu sauras jamais la fin de ma... J'ai pas fini une phrase, Dengofa. Rafraîchis-moi le début. Pour le coup, je l'ai vraiment oublié. Coucou, Valoute. Ah oui, Drakishar, oui. Non, mais j'ai une passion pour casser les jeux. Ça, vous le savez. Au-delà du fait de le faire sans faire exprès, j'ai une vraie passion pour casser les jeux. Ah, bravo! Ah, si, je peux faire ça. T'as joué à Mario sur NES vers 4-5 ans. Quel âge j'avais? Moi, j'ai eu la NES à sa sortie avec le pack Mario et Duck Hunt. C'est le vrai Mario Bros, oui, mais c'est la version All-Star sur Super NES. Et après, j'ai fait jusqu'au... Et après, j'ai joué jusqu'au 3. Après, voilà, j'ai pas eu de Super NES. Donc, je les connais pas après. Alors là aussi, il y a une warp. Ah, bien joué! Bien joué! C'est ici. Oh là là. Oh, ces souvenirs! Voilà. Mais on la prend pas. On se respecte. La version All-Star remaniée, parce qu'en plus, il y a Mario World avec. Ouais, je maîtrise. Tu parles de Mario 2. Et ce qui est bien, c'est que dans Mario All-Star, t'avais et Lost Level, qui est le vrai Mario 2, et Mario 2 Doki Doki Panic. Vous savez ce qui me fait le plus peur dans ce marathon? Enfin, c'est pas un marathon, c'est... plus un espèce de défi à la con. C'est Lost Level. C'est pourquoi en Silent Hill, mais je les ai déjà tous faits. Putain, Dengofa. Attends, je remonte. Une fois que t'as capté que... Ah ouais, non, mais il me faut le contexte. Une fois que j'ai capté que... Que t'étais magnifique, Dengofa, j'ai décidé de te vouer un culte. Ah, on commence avec les... Ah, oh, j'ai bien piffé. Je suis désolé, Dengofa, je m'en rappelle plus. Voilà, et il me semble... Eh, bien joué! Oh! Je parlais... Ah oui, une fois que t'as compris, le dernier boss de Hotline Miami, merci Black Miko, une fois que t'as compris comment minder les panthères et le schéma du boss, je l'ai pas trouvé très compliqué.
Oh. Oui, bien sûr, je me rappelais qu'elle était là. Lost Level et Mario Maker, c'est ce qui me fait le plus peur dans ce marathon. Hein. En fait, l'erreur déjà, c'est avoir acheté Mario Maker 3DS. Non, je déconne. Ouais. Je les aime. Ah, je les aime pas. Faut que j'arrête d'essayer de bourrer comme un con. Il y aura Super Mario Run? Non, parce que j'ai pas d'iPhone. Salut Justy Trash. Salut Viper. Mais il faut runner comme un fifou. Sur un Hotel Mario. Non, c'est pas un platformer. Et Mario à la plage? Non. Et je vais découvrir Mario World. Et ça, ça me botte. Et Mario Galaxy aussi, parce qu'il paraît que c'est très très bien. Ah oui! J'aime bien la hitbox de ce jeu. Mario Brawl? Non. Platformer. Je suis bien à un moment très douloureux. Okay. Je vais mourir. Ah, je... Putain. Mario Golf, platformer, Léoplay. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le mot platformer? Ah oui, non. Faut que je fasse gaffe parce que il me semble que si je meurs au château, je reprends tout le monde en entier, non? Donc on va arrêter de faire de la merde un peu. Thank you.
C'est ça, on reprend au 5-1, c'est ça, c'est ça. Je me rappelle de la... Ouais. Et je vais faire Mario mon fion et Mario ma bite aussi. Voilà. La virilité d'un seul homme. Je vous parle plus. Je boude. Vivement demain soir, je serai chez Woody pour une bonne soirée. Ah bravo! Eh merde. Ah oui, on va se détendre en toute simplicité. Bah, je te dirais ça quand je les aurais fait, Viper, parce qu'il m'en manque tellement que... Mario 64 aussi me fait peur de par ses contrôles. Oh. Niveau 6. Il y a 8 hein, niveau, c'est ça? Attendez, est-ce que j'ai pas prévu d'overlay après Lost Level, alors faut pas finir Lost Level. Hein. Alors 64 se contrôle bien avec une vraie manette. Bon. Ça va, je joue avec une DualShock. J'aime bien ces niveaux où t'as juste à tracer. On a dit une vraie manette. Ah bah, alors crois-moi, des jeux rétro avec cette croix là, c'est pas possible. Hein. Le truc qui fait clac 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 clac. À chaque fois que tu dis non non non. La manette de Xbox One, je l'aime bien, mais pas pour faire du rétro. Hein. Tut tut tut.
Ah, bravo! Eh ben oui, demain, hein, pas de PS fan. Écoutez, hein. On est bien sans eux. Voilà. On va terminer en disant ça. Elle! Oh, je la sens. Oula. On va se faire un truc. Je vous autorise une petite parole sale à chaque fois que je loupe un drapeau. Oui, mais je pense que Nervus parlait de la DualShock 4. Que j'aime pas ces plateformes de merde. Le D-pad Xbox, quelle que soit la version, a toujours été atroce. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Franchement, une bonne manette que j'avais pour faire du rétro, c'était le Fightpad 2 de chez Mad Cats. C'était du bonheur pour le rétro, cette manette. Mais sinon, j'aime bien la... J'aime bien la DualShock 4 pour jouer rétro. Pour jouer tout court même. Mais j'alterne. Pourquoi elle me fait caca dessus au château à chaque fois? Bah, y a un espèce de clac-clac dessus, en fait. Eh bah, c'était très utile! On est concentré, on est concentré. Faut refaire le monde 6. Voilà.
Oui, bah c'est pour ça, hein, Viper, je t'avoue que j'ai pris la version Super NES, puis aussi parce qu'elle est plus jolie pour vos yeux. Mais non, tu reprenais. T'avais un nombre de continues, je crois, sur NES. Tu recommençais pas au départ. Bah, l'élan, c'est important, tep, tep. C'est l'histoire d'un chasseur qui rentre dans son élan. Non, c'est l'histoire d'un chasseur qui prend son élan. Oh là là. Oh, j'ai foiré ma blague. Oh, oh, je vais me coucher. Oh là là, je fais une blague zoophile et je la rate. Oh là là, je suis déçu. Oh, je suis fatigué. Je préfère celle avec celui qui prend son élan. Et alors vous verrez, j'ai pas trop la mort mauvaise, a priori. Par contre, j'ai la mort facile. Hein. Hop là. Et alors là, c'est le blackout. Va te coucher, Snap, ce sera mieux. C'est le moment d'une pause. Mais non, il n'y a pas besoin de pause, on va tout finir. Donc là, il me reste une vie, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les pandas sont saufs.
con de jeu. Est-ce qu'il faudrait pas mieux que je... Bon, pas ça. Ah, eux, je pense que c'est les pires ennemis du jeu. C'est pas possible, il y a mon nom d'écrit sur cette... Non. Bah les lacs qui tuent, tu traces quoi. Si t'arrives à la voir en vitesse, c'est plus un problème. C'était fait exprès, c'était pour avoir le reset, bien sûr. C'est 7 ou 8 mondes? C'est 8 mondes. Hein. Heureusement que la musique... Heureusement que la musique, rien du tout. Putain, puis il y en a plusieurs en plus. Moi, je suis à la moitié du niveau. C'est des bras ou des ailes? On peut faire le Infinite, les vies infinies sur la version Super NES? C'est des mains, d'accord. Oui, j'ai mis Lost Level. Et oui, je suis moins bon que vous. Je leur dis, hein, parce que vous avez du mal à l'accepter. Vous êtes bon au jeu de plateforme, moi un peu moins. Mais j'essaye de me traiter, vous voyez. Da 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 da, la 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 la. Game over? Ah non. Ouh, le monde 7, il va être bien. Hein.
Mais non, mais viens par moi. Sous l'eau, tu peux tuer aucun ennemi si t'as la fleur, oui. Allez, on va refaire le monde 7, hein. Ce combo. Tep, 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 tep. Cette tortue, il y a mon nom écrit dessus. Hein. J'essaie d'aller trop vite. Merci Elgoroth, merci. J'ai grandi avec Duke Nukem 3D, Doom, Quake. Essentiellement. Mais désolé d'être pas à votre niveau de super player. Elle me fait chier à chaque fois. Non mais qu'est-ce qu'elle fout là elle? Oh ça va. Faut être clutch. J'ai l'impression que je sens le soft lock arriver. Donc comment
comment j'arrive à faire ça? Mais amusez-vous à le refaire en même temps que moi, hein. Normalement, vous crevez pas comme ça. Mais amusez-vous à le refaire en même temps que moi, vous verrez, c'est... C'est marrant de se replonger dans... Dans un gameplay qui a... Oh putain. Un gameplay qui est vieux. J'ai une casquette aimantée, voilà. Je l'ai la raison de sac. Oui, le scrolling, merci. Forcément. Sur un Mario qui glisse. Non mais c'est fou. C'est fou, ça glisse vraiment. Hein. C'est vraiment une savonnette le Mario. Hein. J'aimais beaucoup la musique des niveaux aquatiques. Ah c'est ça, c'est le lag de la DualShock 4. J'utiliserai une manette de One, j'aurais pas de soucis. J'aurais dû me lancer dans un 1001% de Isaac. Alors là, j'ai fait l'erreur. Oh, je me suis arrêté. Faut jamais s'arrêter dans ce monde. Bah bien joué, elle descend pas. Pourquoi tu sautes? Est-ce que je vais finir Mario Bros ce soir? Est-ce que je vais le finir ce soir? Il n'y a pas de monde 8. Oh, c'est rare qu'ils soient tous les deux sur la même ligne, non? Safe state, non. Non. Non, pas de safe state, on... Quand même, on se respecte un peu.
Bah, faudrait être con pour streamer en même temps qu'MV à la sortie d'un nouvel Isaac. Hein. Les mots nerveux, c'est regarder MV. Oh putain, les poissons. Allez, viens. Voilà. Vous voilà. Ouais, Isaac, je suis trop mauvais. J'y arrive pas. J'ai beau essayer de me mettre dessus sérieusement. Isaac, ça passe pas. Il était retardé en plus, Afterbuff. Merde. Ah, c'est dommage. Eh ! Oh, mais non, mais je vais pas crever toutes mes vies sur ce niveau, quand même. Non ! C'est le jeu qui te met un gros fuck. J'ai mal à la gorge. C'est pour ça que je joue mal, j'ai mal à la gorge. Je prends un strepsil. C'est avec un truc avec les ordres. Raté. Donc en bas. En haut. Non, en bas. Milieu et haut. J'ai peur. Ah, bien joué. Du con. Ça lui est arrivé. Niveau 8. N'est-ce pas, Viper, hein? Quand t'es gamin... Quand t'es gamin, tu comprends pas qu'il y a un ordre. Déjà, il est cassé, il avance plus.
Ah merde, ça a démarré. Allez, niveau 8. Salut gros bourrin. Oh, je me sens un peu minable hein, quand même. T'avais pas compris du premier coup, Elgor. Bien sûr, on avait compris aussi. Mais les premières fois... Pépé. Vous doutez bien. Voilà, c'était pour le reset, bien évidemment. Et je le redis, hein. J'ai farmé. J'ai farmé dans Kingdom Hearts. Normalement, demain, ça va être une boucherie sur le boss. Hein. Voilà, j'aurais farmé une heure pour à peu près 2 minutes de jeu. C'est le mec qui, en sautant, marche sur son lacet. Écoute, c'est un peu violent, hein, y a, je t'avoue. C'est dans le speedrun qui saute comme ça. Faut pas que j'essaye de le faire en live. Je suis pas... Je suis pas équipé pour. Oh. Bonne nuit, Steve Silva. Je peux y aller en courant en fait. Visiblement, je passe au-dessous. Bien, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Attends, j'ai peur. Oh, je croyais que c'était la fin du niveau, j'ai paniqué. Je m'attendais à sauter après pour avoir le drapeau. Mais Mario, c'est bien. Quand t'es pas trop con. Faut que je sente la puissance de Mario Maker en moi.
Ça me grattait. Qu'à faire, je vais vous parler des, pendant ce temps, hein, pendant que c'est très intéressant ce que je fais, je vais vous parler des infos que j'avais commencé à rassembler pour PS Fan. Saviez-vous que vous pouvez acheter une réplique, enfin, comment on pourrait dire ça, une figurine d'un mètre 60 de la mascotte du nouveau studio de Kojima pour la modique somme de 2000 euros. Code Geass, je suis à l'épisode 15 de la saison 2. Pourquoi pas PS Fan? J'en ai aucune idée. C'est donné. Non mais le pire, c'est que la mascotte, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, franchement, c'est un espèce de mec dans une tenue d'astronaute avec un espèce de masque en forme de crâne en carbone. Il s'appelle Luden, je sais plus comment, si c'est le studio ou le nom de... Qui fait PS Fan, il n'y en a pas. Faut en parler à Trunks, il me répond pas. Ça fait 2 semaines que j'essaye de parler avec Trunks. J'ai pas de réponse. Comme je vous ai dit, laissez tomber, voilà. Voilà. J'ai déjà passé ce monde, non. Hein. Il est à l'hôpital. Ouais, enfin, il n'y a pas que lui qui gère, quoi. Bon, ça me semble être une bonne raison pour pas me répondre. Oui, alors, le jeu... Enfin, ça fait 2 semaines, hein, que j'essaye de l'avoir. Ça fait pas 2 semaines qu'il est à l'hosto. Mais non, mais... Allez, on va refaire le niveau 1 parce qu'on l'aime bien. Pas plus mal que je sorte du network GL. Plus de galère de paye.
Oh, j'aurais pas le temps, un compteur de mort, pff, je crève tellement que ce serait même pas marrant. Très honnêtement, ça servirait juste à montrer que je suis mauvais, et c'est pas le but. Stream offline? Non, c'est juste... Non, c'est bon, c'est juste Twitch qui déconne. Alors j'aurai bientôt d'autres usages d'une pédale. Non, 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 définitivement elle va pas bien, ma phrase. Non, non, définitivement là, elle sonnait largement mieux dans ma tête, la phrase. Cette tortue là, elle me bloque. Ouais, record battu. Ah bah il manquait plus que des canons. Oh, vivement que j'aie une maniabilité qui soit un peu plus propre que cette savonnette de merde. Oui, je commence à engueuler le jeu. J'en suis conscient. La savonnette s'arrête à quel épisode? Je pense qu'à partir du 2 de Doki Panic, là, je pense que ça va mieux. Parfait. Oh là là là. De tous? Non. Oh, je l'aimais bien au Mario 2. Mais non, mais non, mais arrête, putain de merde! Crève toujours au même endroit. Je retiens pas. Moi, Mario 2, ça a vraiment été un jeu avec lequel j'ai grandi, quoi. Mais c'est dur de viser cette petite plateforme avec un personnage qui glisse autant. Je vous dis, hein, faites-le en même temps que moi, vous verrez. Mario est équilibré et Toad court plus vite, ramasse les objets plus vite et court plus vite quand il porte un ennemi.
Bah, je sautais. J'aurais dû le tuer, non? Ouais, on va reset. Oh. Voilà, oui, on va reset. Non, Elbringer, non, non, non. Mario 3 répond bien, franchement. Je sais pas, moi j'ai de bons souvenirs sur Mario 2. Surtout que j'arrête de bourrer. Aïe, Carbo. La panique. C'est mes gènes de speedrunner. C'est pour ça, Lucas. C'est mes speedrunners. J'ai du lag dans les inputs, pas force. Non, 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 non. C'était une vieille excuse. Non, non, mais par contre, il y a vraiment une inertie latente du perso. Une mort conne, ça. Mais non. Un grand saut, je retiens pas, hein. Un grand. Je suis même pas à la moitié du niveau. Oh là là, mais je saute par-dessus. J'aimerais bien que le skill se réveille, ce serait cool.
une vie. On a le petit saut de merde. Voilà. Et là, c'est la fin du niveau. Je prends pas de risque. Voilà. Salut Bouki. Un grand. Ta-da-da-da. Moteur premier de l'univers. C'est pour ça que j'ai plus rien pour moi. Tire, 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 tire. Mass Effect Andromeda le 31 mars? C'est vrai? Oh, je l'attendais plus en fin d'année. Oh, c'est cool. Oh, je vais tellement me refaire les Mass Effect dans mon coin. Ah, oh, ça c'est pute. Vous avez déjà vu un canon tirer deux fois si rapidement? Ah ouais, le dernier trailer de Mass Effect, il m'a hypé. Hein. Ah mais non, mais comment je... Oui, alors, bon, alors...
Et non beaucoup. Mass Effect, ça va être 3.6 PS3, et encore le 1 n'existe pas sur PS3. Alors ça, c'est magnifique. Et sinon, PC. Non, pas besoin de pause. Pourquoi tu veux que je prenne une pause, absolument? Et ouais. Putain, s'il y a Nier et... S'il y a Nier... Kingdom Hearts et Mass Effect le même mois... Comment je fais? Ouais, la Switch, normalement, je vais être invité à la présentation live de la console au Grand Palais. Le 12 ou 13 janvier, je sais plus, normalement, je vais être invité à la presse et à la découverte. Par mes connaissances. Bien sûr. J'espère qu'il y aura Ken, du coup, pour Nintendo fan. Pas. Oh. Putain. Qu'est-ce que c'était que ce saut? Oui, la Switch a un chipset Nvidia. Ils doivent se frotter les mains, ça fait un gros partenariat, mine de rien. Est-ce que je peux réussir un saut? Je l'emmerde tellement ce saut. Je l'emmerde! Je l'emmerde! Est-ce que la Switch aura un bel avenir? Je sais pas.
Voilà, ça te va comme question? Je suis pas devin. On sait rien des. On sait rien des. Vraiment des perfs, puisqu'on a, on a rien vu tourner dessus pour le moment. On verra. Le pr... J'oublie tout d'un niveau sur l'autre. Ah si, il y a Horizon Zero Dawn aussi en mars. Oh là là. Bah, ils vont pas arrêter le squat. C'est la plus grosse audience de la JVTV. Salut Frufri. Voilà. Bien sûr, les brillants. Mais parce que c'est du talk show et ça dit de la merde et ça dit du drama. Les gens aiment beaucoup ça. Ouais, je t'ai coincé, putain. Mais oui. T'en as qui... Voilà, c'est une émission qui marche qu'à ça. Il y a même des gens qui ne marchent qu'à ça. Bienvenue dans l'Internet. Prends 2 secondes. On souffle. Les gens sont cons, pas tous. Pas tous, mais ouais. C'est une émission de... Tu sais, le... ouais, je l'adore, le Monde 8. Le Monde 8. Vous savez, le... entre, je vais faire, vous allez comprendre, le vendredi soir, ce que vous avez sur la JVTV, c'est d'un même niveau d'un programme qu'un vendredi soir avec Arthur ou d'un talk show lambda sur TF1. C'est ça, hein. Parce que je suis un con, Hellbringer. Incroyable. Je vais arriver à ce putain de Monde 8.
Ouais, on est d'accord, c'était joli là quand même. Hein. Salut Adrildu. On y arrivera à ce level. Je vais mettre du temps, mais j'y arriverai. Là, si je fais exprès de mourir, c'est que les overlays derrière, ils sont pas faits. C'est juste pour ça. Oh là là, va te faire foudre. Mais ça va s'arrêter les web télé. Faut arrêter de parler que de ça. Oui, vous avez envie que la JVTV se casse la gueule parce que vous êtes pas content. Oui, on l'a. Enfin, c'est bon. C'est bon, j'ai vu. C'est un truc typiquement français, les web TV, ça n'existe pas ailleurs. Donc oui, c'est un modèle qui a toujours été bancal et qui marchera jamais. Robespierre. Ça fait presque nom de robot méchant. Ah mais ça semble légit, hein. Un reportage sur une web TV sur Bein Sport. Alors que c'est moi qui aurais plus de raisons de cracher, hein. Moi j'ai juste dit au fond que je m'en foutais. Oh là là, mais... Non, tu t'en fous pas, Sinitsu, puisque tu parles que de ça depuis ce matin. Si tu t'en foutais, t'en parlerais pas. Et vous allez me faire avoir le même discours que Sapin, à un moment donné, parce que vous faites que de parler de ça. À la limite, allez en parler sur la JVTV, quoi. Moi, je m'en fous de ce qui arrive à la JVTV, au fond, très honnêtement. Une vie. Voilà. Et les deux sauts. Voilà. Faut tester, McGarren. T'as fait lequel en premier boss? What? Elle est tellement pas partie du bon côté, la tortue.
Le truc clérical, c'est pas le premier boss techniquement. C'est un boss optionnel. J'ai réussi le saut et j'ai paniqué. Ah mais c'est... Je bute sur le monde 8, Mycène, c'est affolant. J'ai pas dépassé le 8-2. Hein. Ah, la vie. C'est bon, il commence à rentrer ce niveau, putain. Voilà. Je vais struggle toute la soirée sur ce Mario. Et moi j'étais déjà ouais, c'est bon, je vais finir Mario et Lost Level dans la soirée. Si j'ai été au 8-3. Si j'ai été au 8-3 tout à l'heure. Un coup de chance. J'ai plus le timing des sauts. Salut Michael Boss.
Ces frères marteaux là, c'est l'angoisse. Bon bah on va retourner au 1. Ah bah je suis très content de les avoir tous achetés. Bon celui-là normalement je l'ai, c'est bon. Ah, c'est parce que je suis trop près de l'écran, regardez. Kubiak. T'imagines même pas. Non, j'ai pas de Super NES. Mais je t'avoue que j'ai pris celle-là parce qu'elle est plus jolie et que on peut sauvegarder. Hey Chris, t'arrêtes ou je te fais venir faire la fin? Bien sûr, tout est calculé. Tout est réalisé par un professionnel. Non mais c'est vrai que j'ai tendance en plus à y aller, je vais trop vite. C'est l'effet Sonic. C'est l'effet Sonic. Il manquerait plus que je joue aux jeux vidéo en guise de métier. Tout à l'heure, il y a quelqu'un de très agréable qui me demandait mais c'est quoi ton style de jeu? Mais personne n'a noté la perf sur Wolfenstein, par exemple. Hein, où j'ai fini le jeu en difficulté Uber, sans trop de difficulté. Vous voyez bien quand je vous dis qu'on est dans une optique de cassage du streamer. Et merde, je regardais le chat. Dites-moi que je suis bon! Dites-moi! Je l'ai fini en cauchemar, Doom! Je l'ai pas fini en ultra-violent, je l'ai fini en cauchemar! Respectez-moi!
J'ai pas peur dans les jeux qui font peur. Mais. Je vais rajouter Brutal Doom dans la mégaliste. Vous allez comprendre. Arrête de bourrer comme ça! Ah bah si, il faut que je bourre un peu quand même. Je me débrouille hein, sur les hack and slash. Alors pour avoir le Doom 64, le mode le Brutal Doom 64 est dispo normalement. Et ouais, j'ai très envie de le faire. Mais regarde-le des deux côtés. Oh la panique. Alors que j'avais fait là une série de sauts parfaites. Une Chaos Legion sans farmer. Ouais. C'est pas un jeu qui m'a marqué en bien, hein, Chaos Legion. J'ai fini Jet Set Radio. Je crois que la plus grosse arnaque que j'ai émis... Je crois que la plus grosse arnaque que j'ai émis, c'est SSX. SSX, pouf! Ah, oh, je lui ai fait une disparition, mais... Et d'ailleurs, vous savez ce qui est marrant? C'est que depuis ce jour-là, le mec qui m'a donné SSX, il est jamais revenu. Reste une heure. C'est bon. C'est bon, je suis chaud.
Non mais j'ai tellement trouvé le jeu pas cool, SSX. Il y a les tutos, tout est écrit, il y a pas de... Il y a 30 milliards de manips. Et tous les tutos sont écrits, il n'y a pas de vidéo, rien. C'est dans un menu austère. Ah, Drakengard. Ah, Drakengard. Ouais. Tu vas faire la fin F à l'Elianir. C'est le premier jeu qui m'a fait me demander si le CD était pareil. Bah pas dégueu. Tu joues avec la internal résolution. Mais si tu commences à mettre ouais l'anti-aliasing, tout ça. Ah, je l'ai réussi maintenant du premier coup hein. Il te faut une bécane assez costaud. Oh, je suis chaud là. Sois net, pas flou. Ouais, jouer avec l'internal résolution, tu peux mettre x2, x3. L'OST représentait la folie du personnage. Pourquoi je saute ? Pourquoi je saute ? Ah non, il y en a encore un. J'ai pas le temps. Putain, il m'a renvoyé en arrière. C'est Julius. Ah, là, je me rappelle. Vous voyez, voilà, c'est la seule pièce qu'on est obligé de prendre pour finir le jeu. Je
crois qu'il faut reprendre celui-là. Non. Ouais. Ouais, tranquille. Oh, ça m'a renvoyé au début. Putain de merde. Eh, vous avez vu à la vitesse où va le temps? C'est pas des secondes, hein. Seconde japonaise, ça doit être ça. Oui, c'est bon. L'erreur deux fois. Salut Nomette. Je vaincrai Lost Level, je vaincrai tous les jeux vidéo de la Terre. Et merde. Je finirai tous les jeux Mega Drive.
Ah, chat noir. J'y ai réfléchi, mais c'est compliqué, hein. Non, je fais pas le deuxième run. Hein. Je fais pas le deuxième run. Jamais, jamais je le fais. Comment il est écrit sur... Super Mario. Je cherche comment il est écrit Lost Level sur Twitch, mais... Bon, on va mettre Super Mario Bros. 2. Je sais pas comment il est noté. Ah, 2 points The Lost Levels. C'est un émulateur hein, que j'utilise. Ah, attendez, attendez, parce que regardez, il y a du taf. Oh là 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 là. Ouais, il y a un overlay par jeu. Bon là, du coup, le jeu, il est plus à la bonne taille. C'est magnifique, n'est-ce pas? Oula, non. C'est magnifique.